Bonjour à tous. Alors, juste une petite info. En fait, tous les jeudis, excusez-moi, tous les jeudis, ma caméraman, donc qui est cachée derrière la caméra, de temps en temps, vous voyez la main ou le visage, nous avons décidé de vous poster des vidéos sur les masques, les objets qu'on fabrique et la préparation de Noël et tout et tout et tout ce qu'on fait d'habitude. Donc, tous les jeudis soirs, à 18h. Donc à 18h, soyez attentifs car il y aura une nouvelle vidéo mise en ligne. Exceptionnellement, mercredi, nous allons vous faire un tuto sur les maquillages d'Halloween. Ça risque d'être très drôle, mais promis, c'est pas des tutos qui font très très trop peur. Peut-être que si, peut-être que non, vous découvrirez ça mercredi. Ça sera vraiment exceptionnel, donc elle sera postée mercredi à la place de jeudi. Et sinon, tout le reste sera mis le jeudi soir à partir de 18h. À plus tard! Salut à tous! Alors, nous allons aujourd'hui vous proposer un essai masque commandé sur AliExpress. Donc, à la base, on vous montrera en début de vidéo la taille du produit qu'il vous propose et regardez comment nous avons reçu ce joli petit paquet. Alors oui, on l'a un peu réparé parce que le voyage depuis la Chine a fait un peu mal au package. Donc c'est une réparation faite par ma caméraman. Et à l'intérieur, nous avions ceci. Alors je sais pas si vous Non, voyez celui-là, bien. il est vidé, hein. Je sais pas si vous voyez bien la taille du truc par rapport à ma main. C'est vraiment pas très très grand en fait. Et celui-là, il y a eu un petit problème. Il est arrivé à moitié vide. Mais, alors, ça sent très très bon, ça sent la pêche. C'est magnifique. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc, c'est un masque peel-off cette fois. Et ça, j'en suis sûre de sûre de sûre. Alors, à première vue, je parle mieux le chinois que l'allemand. C'est un masque peel-off. L'autre est rose. Mais ma caméraman, qui est aussi ma fille, a décidé de garder le rose pour elle et d'essayer le rose sur elle plus tard. Donc moi, je vais juste tester le bleu. Donc je l'applique vite fait au pinceau et je vous montre comment je vais être magnifique. Je crois que ce sera un bon thème d'Halloween, en fait. Et voilà, le masque est étalé. Et après, qu'on ne vienne pas me dire que je suis pas une fille brillante. Hein, parce que franchement, je trouve que je suis vraiment brillante comme fille. C'était pas drôle. Si, c'était très très drôle. Et puis la caméraman, elle arrête de faire des commentaires. Hein? Alors, comme vous savez, je mets tout ça au pinceau. Alors, aussi acheter sur AliExpress, donc comment vous dire, c'est des fois un peu. Il faut un peu faire du MacGyver pour que ça tienne leur bricole. Bon, ils sont pas chers, hein. 10 centimes le pinceau, mais un peu casse-pied. On n'en utilise pas tant que ça. Je pense qu'il m'en restera pour faire encore un masque, grand max. Un masque, grand masque. Oh, c'est dur à dire ça. Je pense que dans un petit pot, vous pouvez faire, tout dépend de la taille de votre visage, mais 4 ou 5 masques. Alors maintenant, il va falloir que je le garde un quart d'heure ou 20 minutes, le temps que ça sèche. Ah, mon frère était surprise, il est en train de fracasser la porte. Donc, le temps que ça sèche, et je vous montre après quand c'est sec et comment est-ce qu'on le retire. À tout de suite. En particulier la matrice, encore soit Voilà, particulièrement le masque est donc sec, mouvant. regardez, de partout, Parce de partout, de que partout. Et on va d'abord, essayer on de le peut éliminer retirer toutes les sans arracher la peau. étrangères en Argentine, tous les disparus, la répression absolument Ah! sous Pinochet, le recours systématique à la Ah! torture, à l'Argentine, les enfants qui ont été enlevés, etc. Ils vont pratiquer une répression qui est absolument Alors ouais, je fais des épouvantable. grimaces, je sais, mais c'est plus simple à décoller comme ça. Aïe. Mais ces deux dictateurs sont morts de nombreuses Ah années non, en après fin de avoir compte, quitté le pouvoir. Ce qui et change ben ça aussi fait beaucoup beaucoup moins de choses mal pour leur à retirer postérité. qu'un masque au charbon traditionnel. Bon, je retire tout et je vous reprends quand j'ai fini. Ah, regardez, ça fait sympa aussi comme ça pour les mains. Tout est retiré. Alors, ça vous fait une peau un peu douce. Je pense que ça a moins d'effet peel-off qu'un masque au charbon parce que c'est beaucoup plus facile à retirer. Ça tire beaucoup moins la peau. Mais comme dirait ma fille, c'est pour la beauté du masque. C'est juste pour faire style et que le masque soit beau. Alors, je vois pas du tout l'intérêt, mais bon. J'ai pas son âge non plus. Donc, voilà.
Le masque est terminé et on vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu et faites-nous des commentaires si vous voulez. Et n'oubliez pas de partager les vidéos pour qu'elles soient vues par un maximum de monde. Merci. Et activez la cloche.